Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'évolution du monde et du changement des valeurs. Pour cela, je vous ai écrit un petit texte qui, je l'espère, vous fera prendre conscience de l'absurdité de la société dans laquelle nous évoluons. Ce petit texte s'appelle Les temps changent. Avant, les gens se définissaient par leur naissance et leur fonction au sein de la société. Naissance qui leur donnait souvent leur fonction, et fonction qui avait son utilité dans le bon fonctionnement de la société. La société ayant évolué, de nouvelles énergies ayant été découvertes, et les machines ayant souvent remplacé le travail humain, bien des hommes se retrouvent dans la société sans réelle fonction, occupant des postes dans des boulots inutiles, n'ayant comme fonction que de les occuper, ou vivant, comme dans certains pays occidentaux, grâce aux aides données au compte-gouttes, pour éviter de les voir sombrer dans la clochardisation ou la délinquance s'ils ont encore un peu d'énergie. La naissance et le travail ne définissant plus l'utilité de l'individu dans la société et sa place, bien des hommes perdus et se cherchant finissent par se définir par leur sexualité ou leur appartenance à un genre imaginaire, présentant ceci comme une fierté dans un monde où ils ont perdu leur utilité pour le groupe. Ainsi est née la catégorie sociale des LGBTQ+. Avec ses drapeaux et ses rites. Catégorie sociale faite pour faire oublier un instant à bien des hommes que l'évolution de la société les a dépossédés de toute utilité pour la communauté en leur enlevant du même coup tout espoir de réussite sociale. Et qu'il ne leur reste plus que leur sexualité ou leur genre imaginaire pour se sentir exister. Avant, M. Durand, se définissant comme médecin, pouvait être gay. Maintenant, Monsieur Durand n'est souvent que gay, est devenu Madame Durand, ou s'est transformé en Anastasia, la drag queen, racontant des histoires d'émancipation et de changement de genre à des enfants maternels. Voilà, petite vidéo d'actualité, petite vidéo sur notre monde qui s'effondre, petite vidéo pour expliquer pourquoi les gens sont perdus en espérant que les gens retrouvent une fonction dans la société. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.